Pas 6 millions, je sais pas, c'est pour la blague sûrement. Ce mec se croit drôle et subversif. Pourquoi tu dis Linksa? Ah, c'est Linksa. Oui, désolé, je savais pas. Très bien, on la reprend, on la refait. Luigi, Snake, j'ai aucune putain d'idée de comment ça se joue. Qui a l'avantage? En fait, Luigi pour moi c'est juste de Kazuya gratos. Donc, je dirais que le match-up est à l'avantage de Luigi. Cependant, les projectiles de Snake devraient le repousser et l'empêcher de trouver ses petits grabs qui viennent de tomber de haute voltige. Mais ça, c'est sur le papier. C'est sur le papier. J'en sais rien, les gars. Là, je suis perdu face à un Galan complètement fou qui ne fait que d'appuyer sur B. Mais ça marche. Ça marche totalement. Petite attaque on shield. Pas safe. Est-ce que c'est puni? Non, malheureusement. Cette petite TNT sur C4, pardon. La Nikita. Quoi. Okay, pas de problème. On revient sur le terrain. Et là, c'est puni d'une main de maître. Ou plutôt d'une botte de maître de la part de Galan. Qui prendra cette première stock. Salvatrice. Oula, on tente un up smash. Rien à foutre. Directement dans le bouclier. Up smash, deux up smash. Une petite grenade down air. On sait jamais ce qui peut se passer. La grenade qui vient couper ce combo. Et là, Fares. Oh, je suis quand même curieux de savoir quel coup de Luigi peut casser le Cypher. J'en ai aucune idée. Voilà, c'est un petit nerf qui va apprendre cette fuck. C'est drôle comment Galan est parti vers le haut de l'écran. Galan qui nous fait entendre le bruit des bots. Ça, c'est bon. Ça, c'est exactement ce qu'on veut. Oh putain! Et oh, l'Oscar qui joue malgré des mauvaises configurations sur sa manette. Ça, c'est le signe de l'adaptation. Donc la chose la plus humaine qui soit. Très bien, dash attack. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Un petit dans le vent, il faut arrêter ça. On crouch. Pourquoi? M'en sais rien. Petite grenade. Deux petites grenades qui ne mènent à rien, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a après? Dom D. Non, back air. Une ventouse, deux ventouses, une grenade. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Galan qui revient de justesse. Et un up tilt pour punir ce up smash. Mais je crois que la gueule de Luigi est invincible, un truc dans le genre. Ah, donc c'est louche. Un up smash autoritaire. Et même plus qu'autoritaire, je dirais fasciste. Présent. Quel match? J'arrive à quel moment? De Jazz Punk. On est sur du 0-0 là? Sur du 0-0. On est sur un stock. Qui... Oh non! Il fait pas mal de saut, putain! Eh bah, fallait le faire avant, ivrogne! Voilà! Je te prends que toi-même! Ah putain, ouais, il a ton. Il s'appelle Totsu. On l'a mérité, tu prends mon blaze, je change les touches. Par contre, ça arrive. Non, mais en plus, il l'a pris avant, il l'a rechangé, après, il l'a repris. Ah, donc là, c'est mérité. Oh, c'est pas si grave, c'est une game en vrai. De toute façon, l'Oscar est tellement chou, il a pas besoin de ça. Hein. Bah, bien sûr, il va gagner. Ouais. Très even. Très even, ouais, tout à fait. Après, là, on est concrètement à 1. À... Ouh, yeah! Ça, ça me fout la goal! Il était mort 8 fois, frère. Bah oui, mais. Pourquoi tu prends ça de gros sous? J'ai tombé avec toi! Mais j'ai pleuré alors. C'est une weekly, frère, tranquille. J'ai raté mon 0-9. Oui, Lightbox, oui, d'accord. Ouais, c'est vrai que. Ça arrive, voilà, je fais tout, je suis bien. C'est vous là qui me traumatisez. Mais tu râles, il y a le micro, tout le monde t'entend. Moi. Tout le monde sait que t'as râlé en weekly. Pour un 0-2 défraté parce que t'avais pas ta touche de saut. Weekly de province. En équivalence, c'est à peu près avoir 14 ans en équivalence. Et il change ses touches, voilà, les gros sexes. Bah non, ce mec a fait 3 heures de route depuis le Luxembourg ou la Belgique pour venir à la weekly nancyenne. Je répète, ce mec a fait 3 heures de route pour aller à la weekly Nancy. Non mais il rigole tout à l'heure. Attends, c'est vrai ou pas? Mais non, il rigole, bah regarde, j'ai souri depuis tout à l'heure quand il dit de la merde. Non mais la 3 heures de route, c'est vrai. Bah il est luxembourgeois. Non, il a pas fait 3 heures. Il a fait 3 heures de route pour venir à la weekly Nancy. Je me permets d'insister quand même sur ça. S'il vous plaît. Il a fait 3 heures pour faire une première fois avec une pensée, je permets d'insister. Ouais. Ah, ils disent tout ça, hein, début. Ils disent tout ça, les copains, les vacances.
C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard, mec. Ah putain, le score, regardez. Oh, c'est hyper, mec. Voilà, faire game. Il a dit bah tant pis. C'est l'heure, lui. 1-0. Hop là. Ce niveau de boucle, eh oui. J'aime beaucoup Link, ça, hein. Faut quand même le dire. Il est très très érudit. Okay. Très éveillé. Par contre, il faut le mettre dans le sens là. Ah, sinon, on n'entend pas le son. S'il n'y a pas le bouton vert devant toi. Bouton vert, c'est tout éclair, comme on dit. Effectivement, je sais pas d'où ça sort, mais oui. Je viens d'en rendre. Oh. Très bien, tout est puni. Et déjà 60% qui sont portés sur ce plombier. D'ailleurs, mec, j'ai eu un plombier chez moi aujourd'hui. Il avait une salopette ou pas? Non, non, il avait juste il avait un jean et le fameux sourire du plombier. Ah, le fameux. Ah, le fameux. Et du coup, tu as donné ce qu'il voulait? À 50 euros, quoi. Ouais, donc j'ai fait 50 balles. Pour mes chiottes à la base. Et voilà. J'en ai pas, malheureusement, mais j'ai vraiment aimé. Mais je pense à ça parce qu'on a Luigi avec une ventouse et ça m'a fait tilter et repenser à ce matin. Ouais, mais c'est le seul plombier avec une ventouse pour le coup. C'est rare. Après, c'est un aspirateur avec une ventouse au bout. Ouais. Là, on est vraiment. Peut-être qu'il a fait femme de ménage aussi. Hein. Ah. Ou homme de ménage, bien sûr. On est en ou homme de ménage. Ouais, ouais. Après, je crois que le titre, c'est vraiment femme de ménage. Hein. Comme sage-femme, il n'y a pas de sage-homme, mais. Les sages-femmes. Ouais, ouais, même les sages-femmes hommes sont les sages-femmes. Bien vu. La ride de la DIY sur la dent de fou. La stock qui disparaît à 70. Aucune idée de ce que c'est la DIY dans ce cas-là. Enfin, si, mais je sais pas comment ça marche. En fait, c'est un 50-50. Il y a le Don B qui marche aussi dessus, je crois. Non, non, c'est juste que ce soit DIY ou in. Dans tous les cas, il peut BO, mais il faut qu'il ride avant. Parce que sinon, il n'a pas le temps d'input. Oh, il a sûrement vu les petits traits bleus après l'atro. Oh, ah non, personne. Qui fait ça? Personne ne les voit par les Kazuya parce que c'est le seul truc de gameplay qu'ils ont. Ok. Grenade. 56%. Voilà, ça va être compliqué. Okay. Je rêve d'un power d'air de Galan, hein, mais... Ouais, mais... Oh. Oh, ça fait des airs dans tous les sens, hein. On adore les grabs. Et en ça, même temps, ça, ça appuie sur beaucoup de boutons. Hein. 102%, alors 101, en vrai, là, on arrive dans les... Là, il a la dent de pro, into dans le bi. Back air, le mixer, back air, sur les vibrés. Très, très bien. Là, ça connecte plus le BO. Hein. Et c'est pas tout le temps sûr que le dent de bi va tuer, selon la rage et tout machin, et selon la DI. Donc, il a voulu s'assurer un kill. Il a eu raison. Et on est sur la dernière stock, attention là, je trouve que Fares il aime un petit peu trop ne pas sauter pour être en train de Luigi à 100%. Et ça tue, et c'est mérité. Bien mon sûr bol. Oh là 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 là. Bien sûr. Mais oui. C'est comme s'il disait oh, j'en ai marre d'être petit et que tu marchais à Kubi quoi. Et bien sûr. C'est la même sûr. Chose. Et bien sûr que oui. 1-1 du coup. Qu'est-ce que tu nous racontes? L'Oscar, le Père Noël, il s'est barré avec son neutral, ça se passe comment? Maxi Sam dit que t'es un neutral flingué, l'Oscar. Qu'est-ce que tu racontes? Il a répondu. Joue ballon et fait pas chier. Joue ballon et fait pas chier, il a répondu, je cite. Ah, il a dit, va jouer à foot de rue. Exactement. On n'a pas que ça à faire. Du coup, dernière game de ce BO, quelconque est le gagnant en est. Petit pari automatique, hein, on va pas nous la faire. C'est bon. Parce que les vidéos Hit Smash, oh my god, what a parry! Le mec fait 5 paris de suite, c'est automatique. Voilà, donc arrêtez de flexer, c'est de la merde. T'appuies une fois et ça marche tout seul. Ah, j'en ai marre. Mais c'est vrai, c'est réel. Il a compris mieux le jeu que la plupart de vos top français. Ouais. Faut arrêter. Ou des fois, les mecs, tu sais, qui restent stoïques après un truc de fou, un trade et tout, le mec, il avait aucune idée que ça allait marcher. Il reste stoïque, il fait genre, oui, je le voulais, je savais très bien comment ça se passait, non. Non, non, t'as eu un coup de chat et c'est tout. C'est tout en fait. Oh, c'était bien. Oh c'était très bien. C'était très bien. Ok. Oh, le dans l'air, le double yep dans la bouche, le pied-bouche ultime. Ah, l'Oscar qui nous dévoile un petit peu plus son charisme. Ça, ça me plaît. Hein. Ça y est, là, il a ses touches, tu comprends. Mais il s'appelle toujours Tetsu. En fait, il m'a c'est, il a changé des touches. Oui, c'est enfoiré. Faut que je les touche après. Faut que je les refasse après. C'est un truc de fou. Ah, c'est incroyable. Ok, boucle de feu. Oh! Pas mal. Nicely done. Pas mal, pas mal. Nicely done, c'était de la part de l'ancien top mêlée. Hein, de l'ancien ICES, top 10 mêlée France. Le deuxième meilleur ICES de France à la grande époque. Effectivement. Donc là, on ressent quand même les fondamentaux de Ice Climber mêlée. Ouh, dommage, ça aurait été très très bon. En vrai, c'est plutôt serré en vrai. Oui, tout à fait. Et à ma grande surprise, parce que de l'Oscar, on attendait
un style de jeu incisif, puissant, robuste à la gloire de Napoléon. Et Galan, bah, vu qu'il vient pas souvent, on sait pas trop quoi attendre. On sait pas trop. Donc soit il nique tout le monde, soit bah, on sait rien en fait. On sait pas. On sait pas trop. Il y a un peu des dinosaures comme ça qui viennent pas souvent jouer. Ouais, c'est ça. Même pas des mecs comme Oka, qui viennent pas souvent. Mais ils se font remarquer quand ils sont là parce que les mecs sont trop chauds. C'est vrai. Ils ont des fondamentaux qui ont 15 ans aussi, frère. Ils ont commencé à jouer avant que j'ai le biberon à la gueule. Quoi. C'est sûr. C'est vraiment un truc de malade. Attention, hein, parce que là, tous jouent sur cette interaction. Et voilà, c'est fini. C'était sympa de commenter avec toi. Je vous souhaite à la prochaine. Bah voilà. Salut. Ah, voilà. C'est finito. Pourtant, on l'a vu, hein, cette petite patience sur la plateforme de Respawn qui témoignait. D'un stress. Oh, Fares qui part. Oh merde, Maxi. Le poing serré. Et ça sent.